C'est vraiment que du bonheur quoi d'être sur l'eau. Après autant de temps là. Sur l'eau, je me sens bien. Le solitaire, c'est dingue en fait. Vu le nombre de personnes qu'il y a et vu les petits mots à la VHF, en fait, on n'est pas vraiment tout seul. Je me prépare pour la nuit, la petite frontale, une tenue un peu plus chaude, mes exercices pour le dos, un petit poulet curry, super bon. Tout le monde me dit faut dormir, moi j'ai aucun problème à dormir. Alors on est quel jour? Il reste. Je sais plus les jours en fait. J'ai plus du mal à me réveiller, j'ai presque envie de faire 6 heures un bord direct jusqu'à l'île Dieu et faire ma nuit. J'ai commencé à avoir des alus, j'avais quelqu'un. C'est ma combinaison de survie. Et je m'en sers comme couverture. Et je sais pas, de nuit j'avais l'impression que c'était quelqu'un, donc je me demandais de m'atosser dans mon bateau. Enfin, c'était un peu bizarre. Tout à l'heure j'ai eu mon problème de spi, j'ai pensé un moment à monter en tête de mât, mais je me suis dit qu'une fois en haut, personne pourrait choquer la drisse pour me faire redescendre. Je reste concentré, je suis parti au tas, donc j'ai couché le bateau. Là, j'ai tout renvoyé, Solène, Genac, je suis au taquet, voilà l'état de mon Genac. Et là le spi est parti, mais évidemment il est tombé dans l'eau, et du coup il y a une immense flamme qui a jailli. J'ai failli balancer mon jet boil dehors. Puis j'oublie pas l'objectif qui est de terminer la course. Donc on s'enflamme pas sur les manœuvres. Et voilà, c'est le métier qui rentre. Je fais une petite pause et j'y retourne. Putain, j'en ai ras le cul là! Chier quoi! Putain, 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 putain! Putain, on va jamais arriver quoi! Commence à monter et à être bien, j'ai une putain de merde! Comme un con, j'avais pas foutu au winch! Voilà, ça fait chier, putain! Ah putain de merde! C'est plein de trucs, mais bon, c'est kiffant. C'est kiffant. C'est vraiment que du bonheur, quoi, d'être sur l'eau. Après autant de temps, là. Putain, je suis content que le dos tienne, parce que je redoutais un peu ça. Et je suis content que ça tienne, parce que Et voilà, on a les émotions un peu à vif. Mais ouais, je suis trop heureux d'être sur l'eau parce que putain, j'en avais envie quoi. Toutes les fois où j'ai pensé abandonner ou reprendre le bateau machin, parce que la hernie revenait. Et en fait ça marche quoi. Fallait être patient et donc bon, j'espère que là je vais pas trop tirer dessus, mais j'ai l'objectif qui est marqué sur le bateau, c'est pas de faire un classement, là c'est de terminer la course. Et voilà, donc je vais m'efforcer de la finir, mais voilà, je pense pas mal à genre médecin, le chirurgien qui m'a opéré, Jérôme, et les kinés de Carpap là qui je me suis fait opérer il y a quand même 8 semaines. Et je suis en train de faire du mini pendant 72 heures. Et je suis pas paralysé au fond de mon bateau, donc c'est qu'ils ont fait un putain de boulot. Donc voilà. Je sais pas quoi faire et j'arrive plus à réfléchir.
poil, je sais pas encore comment on fait pour le faire avancer vite. Enfin, là, on avance, en fait. On avance bien, mais pas dans le bon sens. Et l'objectif, c'était que le dos tienne et de pas abandonner la course. Donc, pour l'instant, les deux objectifs sont tenus. Après, forcément, on se prend en jeu de la compétition. Et on a envie de bien faire, on a envie de gratter les places. C'est pas mal d'avoir une petite caméra en fait. Je pense que même quand elle aura plus de batterie, je continuerai à lui parler parce que j'ai l'impression qu'on cherche des solutions ensemble. Du coup, c'est cool.